On dirait que quelqu'un a oublié de finir de peindre cette porte de garage. Cette porte serait bien plus belle avec un coup de peinture. Quelqu'un devrait vraiment finir de peindre cette porte de garage.
par des trucs sympas et faciles. Oh non! Regarde! Un volcan déchaîné en éruption! Si seulement quelqu'un pouvait éteindre les feux avec un extincteur. Ah! Tu penses que tu pourrais faire ça pour moi? Et on passe à la suite de notre entraînement. Tu trouves pas ça passionnant? Moi, je pense qu'il s'allait. Super, bien joué! Tu vas être un vrai atout pour nous. Surtout que c'est ainsi, il y a beaucoup d'incendies. Même si la plupart des incendies récents ont détruit les propriétés des petits trafiquants. C'est comme si quelqu'un voulait se débarrasser de ce... Bien joué! Attends un peu. La porte est fermée. Oh! Et un innocent volant de vanne est pris au piège derrière. Et regarde ici. Une hache d'incendie. Tu crois que tu pourrais utiliser cette hache pour défoncer ce... Coucou, chérie! Ça, c'est un grand gaillard costaud. Allez, ramasse les volants de pied. Caramba! Regarde! Sans faire exprès, un de tes futurs collègues a fait monter la pression de sa lance à incendie trop haut. Qui pourrait l'aider? Qui peut bien avoir un volant de vanne sous la main? Si! Tu vois ce que je veux dire? Un volant pour faire redescendre la pression. Ça rapidement, hein? Passons à la zone suivante, d'accord? Qu'est-ce qui peut bien nous attendre là-bas? Ouvre les portes! Jay Bonimo!
je sauve un chat. Oh que oui. Maintenant, tu vas apprendre ce que c'est vraiment qu'être pompier à Lego City. Sauver des chats est le sommet de notre vocation. Parce qu'ils sont en général perchés sur les toits. Mais tu devras d'abord trouver un moyen de l'atteindre. J'espère que mon entraînement est bientôt terminé. Faut que je trouve le bateau de pompier. Et une fois que Vinny aura le bateau, je n'aurai plus qu'à le suivre jusqu'à Rex. Thank you.
ça pour l'anniversaire de Dunby, il ne serait pas si grincheux. Gamin, tu t'habitues à ton nouveau boulot? Ça va, mais je dois faire sortir de son bureau le chef des pompiers pour ouvrir la porte du garage à bateau. Je suis sûr que tu me décevras pas, mon gars. La dernière personne qui m'a déçu a quitté ce bas monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire? Il est parti élever un troupeau de chèvres à la montagne. Allez, t'inquiète pas pour le chef des pompiers. Tu vas trouver une solution, mon petit gars. Tout le monde a un point faible. Sans arrêt, je n'arrive pas à viser avec mon extincteur. J'avais exactement le même problème. Ce qui est un peu inquiétant pour nous, soldats du feu. Le chef flamme est un vrai rabat-joie. Ouais, juste parce qu'on lui a pas offert le bon gâteau. Et soufflé les bougies avant lui, et ouvert quelques-uns de ses cadeaux, et souhaité ses 50 ans alors qu'il n'en a 40, et offert une carte de fête des mères au lieu d'une carte d'anniversaire. Et mal écrit son nom dessus. Il y a quoi de mal à ça? Il est trop susceptible. Il faut viser leur bouche, mais seulement quand ils vous font face. Thank you.
taper tout l'entraînement de base pour entrer ici. Et c'est une bonne chose que tu l'aies fait. On est bloqué de ce côté de la barrière. Ouais, et on n'arrive pas à ouvrir cette grosse porte pour faire sortir le bateau d'ici. Je m'en occupe. On n'a pas vraiment le choix. Lui, je l'aime bien. Cette porte de garage. Peut-être qu'en actionnant ce levier... Ouais, ça aurait été trop facile. Cette porte serait bien plus belle avec un coup de peinture. Thank you.
simple.